Bonjour, je m'appelle Jeanne Maroux, je suis en deuxième année en design de mode à l'atelier Chardon-Savard et je viens vous présenter mon cursus. Bonjour, je m'appelle Jeanne, je suis en deuxième année à l'atelier Chardon-Savard en designer de mode. J'ai 20 ans, j'ai passé un bac L que j'ai eu avec mention assez bien à Saint-Exupéry à Versailles. J'ai été ravie d'entrer à l'atelier Chardon-Savard. On nous coupe de tout cet environnement académique dans lequel on a été habitué auparavant. Donc c'est une école très créative dans laquelle on nous apprend toutes les bases nécessaires de façon assez rigolote. Après mes 3 années à l'atelier Chardon-Savard, j'aimerais bien déjà avoir une expérience professionnelle. Je profite déjà de mes stages pour découvrir un peu ce qui me plaît. Pour le moment, j'aimerais bien faire de la broderie. Donc j'ai fait un stage chez Elisab qui m'a beaucoup plu. C'était au Liban, c'était vraiment extraordinaire. J'ai appris beaucoup de choses, notamment en modélisme. Et j'aimerais maintenant toucher à d'autres domaines, dans le stylisme notamment. Et je viens vous présenter un projet qui me tient particulièrement à cœur. Je participe avec ma copilote Ombline Chambon au 4L Trophy. C'est la plus grande course humanitaire du monde, étudiante du monde. Nous partons donc pendant 10 jours, pendant le mois de février, faire 7000 km à bord de la mythique 4L. On traverse l'Espagne pour arriver au Maroc où on fera un tour dans le désert pour distribuer des fournitures aux enfants du désert. Cette association a déjà permis de construire 20 écoles. Et donc si vous voulez soutenir le projet et y participer avec nous, vous pouvez faire un petit don sur la cagnotte Litchi. C'est un projet audacieux et généreux que je voulais partager avec vous. Vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram, les Dyslexie Room. Voilà, dans cette école, à l'atelier Chardon-Savard, nous avons de grands projets. Donc si vous êtes motivé, que vous découvrez l'école, si vous êtes aussi audacieux de nous, que nous, venez rejoindre l'aventure.